bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous on va se retrouver tranquillement sur Satisfactory et je vous cache pas, j'ai eu quelques petites emmerdes à aller chercher mon stuff. Néanmoins j'ai réussi, sinon il aurait fallu que je passe plus de temps à aller le chercher et moi à bâtir. Donc du coup aujourd'hui on va bosser pour du nucléaire. Donc néanmoins, problème, je n'ai pas le jalon pour détruire le nucléaire. C'est un petit peu le problème. Le petit problème du jour, c'est ça. Donc il va falloir que on passe le jalon justement pour produire du plutonium. Après avoir détruit le nucléaire, comme ça on sera tranquille. Donc je vous cache pas, ça sera le prochain jalon à taper. Néanmoins, il va coûter relativement cher. Parce qu'il va nous falloir des tubes à vide, des turbomoteurs, des cadres modulaires fusionnés, je crois. Cadres lourds fusionnés. Et je sais plus quoi d'autre. Mais bon, on va tranquillement voir ça nous aujourd'hui. Tranquillement, on va déjà se diriger sur du nucléaire. Parce que j'ai besoin d'énergie pour faire tourner les centrales annexes que je vais devoir construire. Donc du coup pour le moment on va commencer à préparer tout ça. Enfin j'ai déjà un petit peu préparé les zones, vous allez voir. On va y aller. Moi il me faut une assembleuse, enfin pour le moment il me faut pas d'assembleuse, il faut que je commence à préparer l'énergie. Donc il va falloir que j'y aille à pattes. Ça va être génial. Donc je vais devoir y aller à pied, j'ai réussi à ramener mon véhicule, hein. Tous les véhicules je les ai ramenés, j'ai tout récupéré, tout mon stuff. Ah, ça a été la plaie. Donc aujourd'hui, que faire? On va partir à pied. Hélas. Quoique j'aurais pu prendre le train, vous allez me dire. Mais bon, ce qui est fait est fait. Donc du coup, faut que je parte à pied dans cette direction-là vers les arbres qui sont là-bas pour aller ensuite vers le site nucléaire. Ça va pas être facile parce qu'il y aura plein de bestioles à les tuer. Néanmoins, j'ai fait mes petites réserves. J'ai 40 petites nano bien explosifs. Ça va faire mal. Donc du coup, j'ai tout prévu. J'ai rajouté des slots là entre deux. Hein. J'en ai rajouté 6. Il m'en fallait. Elle est où la conne? C'est qu'il y a une bestiole ici qui va spawn peut-être. Non? Ah. Hop là. Allez, toro. Ouais. Tu t'es fait couillonner. Donne-moi tes petits morceaux, voilà. Il me fait avoir une fois, mais pas deux. Là, normalement, il y a une bestiole aussi, mais bon. Si on va assez vite, on va même pas se la faire. On va même pas la taper. Là, c'est l'étape assez chiante, j'ai envie de vous dire. Non, c'est là-bas, là. Où est-ce que c'est mon dernier arbre, en fait, que je vise à chaque fois. Parce que c'est celui qui va être le plus facile. La retoucher en fait. C'est vrai qu'il me faut aussi des oscillateurs pour la suite. Hop. Je vais passer normalement le quartz, il est censé être... Je sais même plus où est-ce qu'il est censé être le quartz. Ah il est en bas là, en dessous, ok. Donc je vais faire une dérive qui part par là.
normalement c'est pas par là, mais bon. C'est là. J'ai fait un tour pour rien. Quoi, j'ai déjà aménagé la zone, hein. Je voulais pas cacher tout à l'heure. J'ai déjà fait quelques petits trucs, un bâtiment rapidos, hein. Avec quelques endroits pour se garer d'ailleurs. Donc j'ai ça aussi à mettre en place d'ailleurs. J'avais oublié ça. Parce que là je vais faire une entrée pour pipe. Ici il y aura le deuxième segment pour y aller. Et vu que j'ai pas envie de tout déglinguer. Et ce que j'ai fait, parce qu'en fait c'est vrai que samedi on n'y était pas dessus, hein. Et j'ai voulu avancer, j'ai mis trois centrales, j'ai tout préparé. Mais j'ai rien électrifié, j'ai rien fait de plus. Donc ici il me faut... Merde. À ce poteau là on va dire, hein. On va mettre un là. Pour l'instant, on va faire ça comme ça. Je vais activer les chères machines qui sont derrière, par contre. Hein. Donc, toutes celles-ci. Ah, un peu loin. Ah, c'est pas grave, on va mettre celui-là là. Et c'est toi. Je vais pas tout connecter, hein, parce que la dernière ce matin. Enfin, quand je l'ai fait, j'avais pas assez de matière pour tout mettre en place. Donc j'ai fait un petit peu à la va-vite. Ah. Et du coup, celui-là, ça, tac, tac. Là j'ai mis quand même hein, le quota, j'en ai 6, non 1, 2, 3, 4, 5, 5 gros réservoirs de flotte qui sont logiquement, voilà, j'ai déjà connecté le tout en bas. Bon, j'ai pas ramené l'uranium encore, hein, parce que bon, c'est une tâche assez périlleuse. J'espère seulement qu'il n'y a plus de bestioles en bas, sinon j'ai de la nano à fragmentation. Ça devrait être bon. Donc j'ai le circuit de rentrée, le circuit de retour devra se trouver en dessous. Et là ça va pas être facile. Parce que circuit de retour, je vais casser ici. Et là ça sera un étage dédié à détruire tout simplement le... Enfin préparation pour détruire le nucléaire. Ou sinon je stocke le nucléaire ici et je le détruis en bas. Peu importe pour moi, ça revient au même. Donc malheureusement j'ai pas les turbos, donc le problème, je ne peux pas construire de forestier 3. Mais j'en ai déjà posé une T2 en dessous. Hein. Donc ici ça sera un... Ouais, je pense que ça sera un espace stockage pour tout ce qui est déchets d'uranium. Donc là normalement, hormis ici, j'ai 1, 2, 3, 4 points là-bas. C'est cela que je cherchais. Et là ce qu'on va faire c'est... Vous allez voir le chemin de ronde, ça va être génial. 4. Là. Bah du coup...
Normalement, il faudra que j'en détruise, mais bon. Tu m'étonnes qu'il est entre un clic, il n'y a rien en dessous pour le retenir. Ça, là. Toi, comme ça. Oh, j'ai bien visé parce que sinon on n'aurait pas pu faire ça. Merde. J'aimerais juste le bien le poser en fait. Quoi, ça, c'est juste histoire de pouvoir avoir du nucléaire, enfin de stocker les déchets qu'on va avoir. Parce qu'on va en avoir beaucoup de déchets au final. Hein. Regroupeur. Ah, c'est con parce que je l'aurais bien fait comme ça. Je vais faire autrement. J'ai une petite idée. Ça fait pas ce que je veux. C'est cette section là qui pose problème. Quoi de là? Normalement, je suis pas censé pouvoir faire ça, mais bon. Je vais modifier. Je vais peut-être partir d'un de ces coins-là. Ah, je sais duquel en fait. Le mieux, c'est que je prenne celui-là. Que je fasse ça en fait. Pas pourquoi je m'emmerde. Je cherche la complexité. Je cherche à faire dur alors que c'est tout simple. De là, on met là. Et de celui-là, on fait ça. Voilà, comme ça, ici, on aura un gigantesque espace de stockage. Et ce que je vais faire, parce que je connais le nucléaire, je sais à quel point ça peut produire beaucoup de déchets. Donc là, on va faire un retour ici, et là. Comme ça. Ah merde. Bon bah je peux pas le faire tout de suite, on le fera plus tard. Bon, connectons tout ça. Et je pense que ça sera parfait. Toi, toi. Et de là, en fait, il faut que je fasse un retour, que ça reparte par là. Et en fait, à cette arrivée-là, donc ici, je vais faire un conduit qui va redescendre en bas. Ou sinon, je refais la même, mais je refais des circuits, histoire d'avoir un gigantesque stockage de produits radioactifs. D'ailleurs, c'est quoi qui me manquait pour en faire plus de containers? Ah oui. Bah, à la rigueur, je peux faire ça, attendez. Parce qu'ici, il faut que ça revienne par là obligatoirement. Et en haut, je vais refaire un circuit et clac, ça revient en bas et après ça redescend en dessous. Parce que normalement, j'ai encore de la plateforme, si je dis pas de conneries. Attendez, je vais juste faire ça. En fait, ça va juste me dire par où passer, hein, parce que sinon, je vais me casser la gueule en bas.
Et les chutes sont plus ou moins mortelles à la hauteur où est-ce que je suis. Vraiment mortelles, hein. C'est pas une blague, malheureusement. C'est la vie de mon perso que je mets en jeu. Si je saute, bah, il s'éclate comme une merde, hein. Ou plutôt comme une vieille tomate pourrie. Tout le choix. On entend ce bloc. Et puis voilà. Mon personnage sera mort. C'est très con, hein. Donc voilà, du coup, vous voyez le pipe qui est là. C'est le pipe qui va alimenter en uranium les centrales qui est là-haut. Enfin, qui sont là-haut. Là, j'ai fait un circuit descendant pour atterrir sur cette plateforme. Je referai un autre circuit, et ainsi de suite. Pour ici. Est-ce qu'il y a d'autres bestioles qui sont arrivées? En direct, non. On va pouvoir alimenter ça, hein. On va juste ramener les poteaux. On va s'en mettre un par ici. Logiquement, je peux en mettre un par là. Il est là. Il faudra que je pile sous, je le soude pile la pile juste au-dessus. Faut que tu te places bien comme il faut, comme j'aimerais. Voilà. Et puis il y a mon petit poteau. Bon, déjà là c'est bon. Donc 7. Normalement, on va attendre un petit peu, mais je devrais apercevoir, si je dis pas de bêtises, l'uranium, parce que celui-là il est connecté au reste du réseau. Et du coup, bah, ce qu'on va faire, on va monter vite fait un circuit pour descendre plus facilement. J'avais déjà tout mis en place et le seul truc à faire, c'est de rajouter les hypertubes. Je sais pas si j'ai plus assez de tuyaux, c'est vrai. J'ai posé les tuyaux pour faire le. Oh, mais attendez. Yahoo! Non, je déconne. On va pas mourir parce qu'on a l'énergie. On va reprendre tout ça parce que le problème qui se produit, c'est que j'en ai besoin pour faire mes pipes. J'espère que ça va faire ce que je veux. De là à là. Parce que 28 tuyaux alors qu'on a fait seulement le premier segment. Attendez. Ah voilà. La forme du tuyau n'est pas adaptée. Très bien. Plus que 4. Bon, il nous en faut. Il me faut beaucoup plus de tuyaux que ça. Bon, on va retirer ça. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Pourquoi l'uranium n'arrive pas? Je sais. Si je connecte pas le tout, il n'y a aucune chance que ça marche. J'ai même pas connecté la foreuse. On va voir combien on en tire. Hein. 120?
J'aurais pas un petit truc pour booster cette, cette copine? À l'occurrence, non. Parce que là, 120. C'est pas des masses, hein. Enfin bon. C'est vrai que ça va pas, on va pas dire que ça fera des masses, mais ça va permettre d'alimenter comme il faut en fait. Après j'irai chercher des électros là-bas et ça devrait être bon. Logiquement insérer le carburant, je sais plus si c'est ça ou pas. Pas de connexion. Ah bah oui, normalement ça devrait marcher. Ah non. C'était quoi le carburant? Oh, il y avait un truc à faire spécial pour le carburant ici. Je sais plus ce que c'était. Attendez. Faut que je vérifie. Il y a un truc à faire spécialement avec l'uranium. Je sais absolument plus ce que c'est. C'est horrible. Quartz silice, non, c'est pas ça. Il me semble que c'est là-dedans. Hein. Dans une de ces machines-là, il y a ce qu'il faut. Tige de contrôle. Ça peut pas. Attendez, je vais tester. Je vais mettre chaque machine et on va voir. Hein. Et il y en a une qui va me servir justement à produire ce qui m'intéresse. Donc c'est pas celle-là. La raffinerie, ça, attendez, quoique. Attendez, je me souviens plus. Faut que je rentre. Parce qu'il y a une machine, j'ai dû oublier de faire une machine, je crois. Et je me souviens plus de laquelle que c'est. Peut-être que c'est une raffinerie, je sais même plus. Il y en a une qui va me falloir. Et je crois que c'est même raffinerie. Et il va me la falloir uniquement pour faire de l'uranium. Je sais plus laquelle uranium se fait bouffer par ma machine. Mais il faudra que je le trouve vite. Hein. Sinon on n'a plus l'énergie. Mais je sais qu'il va me falloir une machine. Il me semble pas que ce soit de l'uranium fossile qu'il va me falloir. Merde, non, c'est. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Moi, celle-là. Prochaine fois, je fous ma bagnole en pièces détachées. Je la transporte en pièces détachées, ça sera plus simple. Ah, c'est vrai, il faut que j'aille redonner le dogo parce qu'il va avoir peur de moi sinon. On va prendre ça. J'aime mieux quand il marque dégâts au matériel fixite. Ça veut dire que notre personnage a sûrement été construit ou a signé un contrat de tellement d'ampleur qu'il appartient. Il appartient même plus à lui, mais au matériel fixite. Enfin, à fixite, justement. Donc
Donc là, il va falloir que je trouve comment on fait de... il faut que je regarde le jalon uranium. Parce que je me souviens même plus comment je dois me démerder pour le mettre dans la machine. Ce qui est magnifique. Donc je vais aller, on va check ça vite fait. Normalement l'uranium fossile, il me semble qu'il me faut, je suis même pas sûr, mais je crois que j'ai besoin d'une RAF. Là, je sèche. D'ailleurs, j'ai allé faire un petit truc là-bas. Parce que il me semble que j'ai un petit problème, voire même un très gros problème, avec la ligne acier. Parce que là, j'ai beaucoup, beaucoup de charbon qui arrive, mais ça stocke quasiment plus dans mon conteneur qui est là. Et ce que je vais dans le conteneur de gauche, pas celui de droite, hein. Enfin, pas celui qui est là, mais le deuxième plus petit. Je vais faire un petit truc, un petit changement. Arrêtez de l'envoyer par ici. Et ce qu'on va faire, c'est le circuit logique. Le répartiteur de convoyeur, on va plutôt le mettre par ici. Et ça. Par là. Ah, c'est lui MK3 ici. Putain, c'est du MK4. Pour ça que ça va du mal à venir, c'est que c'est du 4. Quand j'ai une j'ai 1000 plaques quoi. Donc 150, ça en fait 300 sortants, ce qui devrait être bon. Ah, du coup, avant de construire les machines, je vais aller vérifier tout ça au niveau du hub. Est-ce que j'ai des organes hormis celui-là? J'en ai 4 ici et c'est tout. Je suis pas riche en organes d'extraterrestre. Hein. Oui, mes petites ressources, venez, venez à la babase. Venez dans notre gigantesque cuisine. Qui est moche pour l'instant, qui n'est pas terminée aussi. du coup, pour le nucléaire. Faut que je regarde ici. Parce que c'est le seul jalon qui pourra me dire. Production de pointe, alimentation avancée. Alors, non, c'est celui-là. Uranium fossilisé. Donc si on met dans des cellules d'uranium... Il me semble que c'est ça. Cellules d'uranium sont produites à partir du minerai d'uranium utilisé pour produire des barres de combustible d'uranium produites pour l'engrais, enfin pour l'énergie nucléaire. C'est ça qu'il faut. Donc il faut que je trouve qu'est-ce qui va me produire les cellules nucléaires. Il me semblait que... Ah bah oui. Je sais quelle machine va me le prod. Barre de combustible.
Donc pour ça, il va me falloir. Donc il va me falloir une machine comme ça. Donc attendez. T'en fais. Une comme ça. Sachant qu'elle, il me semble qu'elle ne va pas me prod. Elle ne me prodera pas les cellules. Ici, il va me falloir les tiges de contrôle. Donc ça m'en fait une comme ça aussi. Et vu qu'en amont on a besoin de deux autres trucs. Oh la vache, ça va nous coûter tellement la peau du cul. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non. Ah voilà, cuivre et fil actif. Donc de là, il va me falloir... on part sur quoi? Sur ça ou ça? On va tenter de dire la MK2. Normalement, il m'en faut 4. On va partir sur 6. Ça veut dire fil actif et l'autre. Ok. Là déjà on a ça. Et ça c'est juste pour les contrôleurs d'IA les amis. Hein. Parce qu'on n'a pas terminé derrière. Après il nous faut... Je crois que c'est les stators. Hein. Merde ici c'était quoi? Ah oui, je sais ce que c'était. Et contrôle d'IA. Du coup. Il va nous falloir les stators. Un tuyau. Ah, ça c'est de l'acier. Donc du métal plus autre. Et encore du fil actif. Donc le fil actif, on a déjà ce qu'il faut. Donc, il va nous en falloir un deuxième. Donc ça veut dire 3. Pour les tuyaux d'acier, il va nous falloir du charbon. Il va en falloir une de plus. Ok, ça c'est fait. Après, il me semble qu'il va me falloir une RAF. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ah, parce que là, on a ça, on a ça. Ah, il va aussi me falloir, je viens d'y penser, une comme ça. La liste des courses s'allonge, hein, les amis. La liste des courses s'allonge hein, pour aujourd'hui. Là, on va avoir beaucoup, beaucoup à faire pour le nucléaire. Donc, il va nous falloir la section prod. Ah oui, non, raffinerie qui est là. Non, ça me va, c'est pas ici, donc ça doit être sûrement la mélangeuse qui va nous faire le taf. Et si c'est pas la mélangeuse, je donne ma langue au chat. Et voilà, mélangeuse. C'est l'uranium plus du soufre. Donc, en gros, il va m'en falloir une comme ça. Plus une comme ça et deux comme ça en plus. Donc là, on va taper sur ouais, une petite dizaine au cas où. Là, on va en prendre 6. Là, on va en mettre 1. Là, on va en mettre 2. Les fonderies 6, fonderies avancées, on va prendre 2. Et là, on va partir sur 8. Comme ça, on sera un peu plus large. Et du coup, voilà ce qu'il va nous falloir. Donc ouais, ça c'est pour les barres de combustible. Hein. Ah,
Ah là là, ça nous coûtait cher parce qu'il va nous falloir beaucoup beaucoup de ça. En fait, je vais faire un truc, c'est on va tout prendre. Pour un temps, on va sortir le camion. On va se prendre celui-là. Donc là-dedans, il y a ça. Alors, voyons voir la liste des courses. Les moteurs, c'est fait. Ouais, bah, il nous reste que ça en fait, hein. Cadre modulaire lourd, plaque, foreuse. Ah, les foreuses, par contre, là, ça va coûter un peu la peau du cul, hein. Les cadres modulaires, normalement, on les a. Ce qui va nous coûter tellement cher dans tout ça, ce sera les tapis roulants en fait, hein. Parce que là, regardez. Voilà, ça c'est déjà fait. Les rotors, il nous en faut 43, j'en ai 43. Bah, enfin, il nous en faut 44, ça c'est fait. Voilà. Et tu n'y arrives pas. Merde, ça va être les tuyaux le problème. Et les sas forêts, je pourrais pas les transporter sur moi, donc le camion va falloir que je me débrouille et le ramener ici. Sinon, je vais emmener tout ce qu'il nous faut. Et puis on va se débrouiller, hein. On n'a pas trop. En fait, on n'a aucun choix. C'est ça le problème, on n'a aucun choix. À moins que. En fait, je dis que j'ai aucun choix, mais si j'en ai un, vous allez voir. Donc déjà les tuyaux, il m'en faut 220, j'en suis à 207. Il va m'en falloir aussi pour produire par la suite l'hypertube. Oh, ah bah tiens, il y en a trois. Trois, ça fait 600 tubes. Là-dedans, j'en avais pas un tout à l'heure? Non. Donc, on a 600 tubes. Et pour ce qui est des foreuses, en fait, j'ai une solution. Une solution qui est conne et normalement qui devrait marcher. Je vous en dis pas plus. J'ai juste en fait à construire ça. Normalement, j'ai juste à construire ça et j'en ai bien assez. Atelier d'équipement, je peux le faire là-bas. Et puis voilà. Donc, je vais reprendre. Parce que là, le problème, c'est bien beau d'avoir une partie de ce qu'on a besoin. Mais ce qu'on va faire, c'est que les tapis roulants, ça va nous coûter très très cher. Donc je vais prendre tout ce que je peux. Et puis normalement on devrait être tranquille. Donc là il me faut quasiment pas loin de... Oh, il y a la moitié de ce qu'il y a là-dedans en fait, hein. Quasiment. Donc ouais du coup ça va nous coûter bonbon. Mais derrière, en énergie, on va être peinard, hein. Faut juste pas que ça s'arrête.
que ça soit tout le temps en continu. Et ça, c'est seulement l'étape pour récupérer de l'énergie grâce au nucléaire. Hein. L'étape pour détruire le nucléaire, il y a quand même plus casse-couille. Hein. Donc, ouais, ça devrait peut-être être bon. Si on a besoin, on reviendra. Allez, on est parti. Malheureusement, je sais pas si je peux utiliser le même chemin que j'ai pris pour revenir, parce que le véhicule, je sais qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Ça risque à prendre. Donc là, il nous faut 16 forêts portables quand même. Hein. Un mignon, hein. Allons compléter le nucléaire, les amis. Allons compléter ça. Par contre, j'appréhende parce qu'il y a beaucoup de créatures dangereuses. Et la zone marée, elle est plus dure que dans mon souvenir. Néanmoins, dès que j'ai ça, je peux revoir toute la base. Hein. C'est ça l'important, c'est que je puisse revoir toute la base. Et à ce moment-là, on est tranquille. Dès que j'ai revu la base, ça veut dire que les usines seront annexement à l'extérieur. Enfin, les usines cuivre, métal et autres, ça, tout sera annexe dans d'autres baraquements. Ah, c'est cette montée-là que j'appréhende. Donc, ouais, je ferai les baraquements. Bon, on a déjà le métal qui est prêt. Après, il va nous falloir le cuivre. Je vous cache pas que ça va être un sacré chantier tout ça. Donc là on a tout sauf les foreuses, hein, mais bon. J'oublie. Là en fait ils ont fait un petit truc, c'est qu'ils ont découpé la map par segment. Donc là vu que je rentre dans le secteur médium. Il me charge la map maintenant. Ça, c'est plutôt sympa. C'est pas un bug, c'est juste un chargement de map. Ah non, j'étais bien passé, hein. Boing, boing, le véhicule qui boing balle. Attendez. Ah oui, c'est vrai que ça, je peux pas le bouger. Faudra que je regarde où est-ce que. Voilà, les tuyaux en acier. Faut que je fasse gaffe de pas les bouffer. Parce que là, on va quand même créer dans la route. Ceci.
Voilà. Et floup, en bas. Il va devoir cracher ici, ça c'est parfait. Donc du coup, maintenant le boulot. Ben en fait, je vais utiliser tout cet espace ici pour produire. Donc il nous faut un mélangeur. Donc, attendez, je vais profiter que le nucléaire arrive de là. Et c'est là en fait qu'on va construire la prod. Ici, en dessous. Faut que je vérifie lequel qui me prenait l'uranium en prums. Non, toi tu prends pas l'uranium final, l'uranium en premier, je crois que c'est la mélangeuse qui va me le demander. J'ai oublié de cliquer dessus, mais c'est ça qu'il me faut. Bon, déjà on va faire un truc. Je sais qu'il y en a en bas. Quatre cents là-bas. Ah ouais, c'est en haut. Je fais ma petite jeune. Logiquement, ça devrait se trouver au-dessus. Thank you.
Quatrième ici. Ouais, ils ont modifié ça, ça veut dire que maintenant on n'est plus forcé de miner. Si on arrive à bien lock le truc, c'est bon. Il me faut ça. Forus. Et... Il y en a que j'ai dû retirer parce que normalement j'ai les protéines. Ah non, c'est pas dans le bon. Voilà, donc celui-là c'est fait. Je me souviens plus où est-ce qu'est le cuivre par contre. Je sais qu'il est quelque part, vous voyez là-bas, normalement c'est censé être là-bas. Il est assez loin. Donc déjà on va chercher... Charbon, je sais que j'en ai là-bas. Et là c'est le métal qu'il va nous falloir. J'en ai, attendez, 200 mètres là. Je crois que celui-là c'est un pur à 200. Un pur ou un normal. Ah, tu joues la maline, toi. Attends deux secondes. Elle est bien, ça? Oui. En l'occurrence, non. Et maintenant il nous faut, je crois que c'est du cuivre mais je suis pas sûr, attendez. On va quand même chercher le cuivre au cas où. Et ça c'est du calcaire normalement. Et c'est du pur, ben on va prendre celui-là aussi.
Voilà. From Earth, widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to wear a card to harvest alien artifacts. Poufias, ces bestioles là, c'est les pires qui existent. Les plus grosses saloperies du jeu, ça je vous le dis. Harvest. Toi tu viens avec moi par contre. Je la laisse pas, vu le mal qu'on peut avoir ici. Allez récup. Autant ne pas les laisser hein. Toi c'est moi qui vous le dis. Ça, on va faire ça. En fait, si je fais ça avec les poteaux, c'est juste pour pouvoir les retrouver après. Hein. Et aussi, ça me fait mon premier circuit électrique. Ah, le problème c'est ici. Il va falloir que je passe de là à là. J'ai oublié ça. Parce qu'il y a tellement de flotte. Pas dû le mettre si loin ce truc là. Mais bon ici c'est pas terminé donc ça devrait aller. Ça sera un étage de production pour envoyer là-haut. Et là-haut ça sera l'étage de destruction des déchets radioactifs. Donc là-dessus ça devrait aller. Mais pour les premières pièces on va les prendre en bas. Donc à cet étage là je ramène le cuivre ici, tous les matériaux ici. Hormis le charbon qui lui va devoir descendre de là-haut. Parce qu'il n'est pas ici. Et donc toi t'es là. On va faire ça pour que je puisse le retrouver. Ça on va le mettre là. Normalement il est censé pouvoir venir jusqu'ici. Et de là de toute façon il y a le poteau qui est là. Ça c'est parfait. Allons chercher le charbon qui se trouve tout en haut. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais juste avant. Passage pour le sol, donc il est là. Et c'est celle-là et c'est juste ici je crois. Il est pas au centre.
Attendez. Ouais, celui-là, je vais le faire descendre parce que ici, de toute façon, j'aurai toujours l'escalier qui est là, qui est pas long en fait. Hein. Mais pour aller en bas, autant avoir ce qu'il faut. Parce que là, j'ai de là jusqu'à tout en bas à descendre et c'est pas pratique. Hein. Et même là, je sais pas si je peux descendre directement jusqu'en bas. Oh, mais si. On va faire ça comme ça. Hein. Ça, c'est la classe. Plouf! Bon, ça va être un peu long pour remonter, mais ça sera plus rapide que de faire tout tous les étages à pied. Hein. Ah, par contre, ça me recrache pas. J'ai oublié de faire la sortie, en fait. Je sais pas, la rentrée il perturbe. Alors, normalement, j'aurais dû ressortir de là, comme ça. Voilà, moi ça c'est bon, donc on va aller chercher le charbon qui se trouve tout en haut. Attends, avant je sais que je prenais, enfin, pour le béton je prenais là-bas justement, mais c'était trop loin. Je vais en profiter parce que là, en fait, petit souci, c'est ça. Non, parce que là c'est en train de me siffler. Donc normalement j'en ai plus dans les poches. C'est bon. Voilà, on n'a plus de radiation ici. Hein. Ce qui veut dire que ces barres là, je vais pouvoir les retirer. Les replacer ailleurs. Ça serait bon. Quoi, les replacer sur tout le pourtour. Du coup, charbon. Et là, c'est ce qui veut me coûter la peau du cul, c'est qu'il faut que je le ramène ici et que je le fasse descendre à l'étage tout en bas. Et après, il faut que je refasse tout remonter. À peu près, ça va, je sais pas si ça va être vraiment pratique, en fait, mon truc. Mètres 901. Non, on va se concentrer sur le 600 qui est là-bas. Je sais par où passer, mais le problème c'est que je vais faire une giga ligne en fait. Parce que nous, c'est le passage, il est là, un peu plus loin d'ailleurs.
Ah, c'était là. Ah, je me souviens, je me suis retourné une fois en voulant venir ici avec un véhicule, un gros, hein, pas une petite Jeep, et j'ai mis une demi-heure à essayer de me dégager de là. Parce que le véhicule avait à moitié planté dans le sol. Et le charbon est juste là. Il y a encore deux. Celle-là, on la fait remonter ici, puis on la ramène de l'autre côté. Celui-là, en fait, je m'en fous qu'il soit pur, normal ou quoi que ce soit, il me le faut. Et du coup, on va faire un petit truc pour éviter la pénurie. Voilà. Ah oui, quand je vole, c'est plus dur hein, de me toucher là. A pris de bestiole. Ah oui, maintenant il me faut du. Attendez, j'ai bien du charbon qui arrive quand même. Faut que je vérifie ça parce que c'est le plus important. On dirait que c'est du normal là en bas. Ah pourquoi j'en ai fait plus de j'ai demandé plus de foreuse. Enfin je me suis mis plus de foreuse en tout cas. Parce que là on va récupérer celle-là plus celle d'à côté. J'avais zappé, elles vont toujours par paire en plus, c'est ça qui est cool. Donc on va en profiter. Regroupeur. Hé, hey, toi, en bas! Attrape! Ah, ils savent pas jouer à ce jeu là, hein. C'est con. Charbon pur. Charbon pur. Ouah, on est bien. Double charbon pur. Bon, on sort pas la toto, hein, mais bon, ça devrait passer pour l'instant. Et imaginez-vous, j'ai pas encore les greux nucléaires, hein. Oh, t'as survécu à ça, toi?
Allô? Pas question que tu me retouches? Oh, je vais peut-être pas faire massacre à la tronçonneuse, ça marcherait pas ici. Bah tiens, dans ta gueule, pauvre conne! Saloperie de bestiole, va! T'attendais à quoi, la pauvre? Pour la peine, je vais massacrer tout son peuple. C'est bon, t'es mort, toi, non? Ah d'ailleurs j'ai oublié de récupérer un truc. Je crois que j'ai pas désassemblé la l'atelier. Ah, l'atelier, il est toujours là. Ça, j'ai 2117 munitions pour les tuer. On va passer. Oh, j'aurais pu m'en servir comme bombe vivante, merde! Ah, je me verrais bien avec un petit sniper pour chasser ces bestioles. Ça pourrait être bien. Ah, elle est conne. Je l'avais même pas vue. Toi, t'es encore plus conne, ma peau. T'es passé là. C'est fou, mais elles sont relativement connes. Elles ne feraient pas de bruit. Je passe à côté, je les vois même pas. Ou elles m'attaquent et je réplique derrière. Sauf que là, je suis en train de voler, j'entends. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse? Je vais pas la regarder 107 ans. Il nous faudra un truc genre barrière. Si les devs m'entendent, s'il vous plaît, mettez-nous une petite barrière qui puisse se relever à l'approche de véhicules comme une grosse porte. Bah, ça m'arrangerait. Ça me ferait un petit peu de déco là pour l'entrée du site Uranium. Ça pourrait être cool, c'est une petite barrière qui se redresse vers le haut comme quand on va ouais, à l'hôpital quoi en fait. Ça y est, là, ou même au péage, là, la barrière qui se redresse. Ce serait bien ça. Ça serait cool. Même mécanisme que la porte, mais version un peu plus lente quand même. Ça serait cool, je trouve. Parce que moi, l'entrée, je pourrais mettre ça à l'entrée du site Uranium. Ça serait nickel. Donc là, j'ai 800. Bon, j'ai pas pris tout, mais bon. On devrait pouvoir tirer quand même pas mal de lignes. Sachant qu'ici, je vais pas y revenir, donc je m'en fous un petit peu.
Là, je suis pas un qui s'attache trop à ça. Oh, et puis merde, je vais y aller un petit peu à la wall again, même si ça traverse le sol. Hein. Peu importe. J'aurais dû faire gaffe et pas sauter à la flotte. Non. Non. Je vais faire un petit truc par contre. Et merde. Ah non, je l'ai pas. Hein. Enfin, j'enlève l'autre qui est là-haut. J'arrive pas à l'attraper d'ici. Donc, va falloir que j'avance d'un coup et que on voit ça.
Voilà. Alors nous, la fonderie. Commence avec la fonderie, comme ça on sera tranquille. Elle sera ici. Normalement, ça c'est bon. Donc là, du coup, on va aller chercher la ligne métal. Le catharium, on va directement le faire sur le site au fond. Et le métal, en fait, il va me falloir deux zones. Il va falloir que j'en tire. Et surtout que je le stocke un petit peu. Ah, néanmoins, on va être bien. Alors, je dis bientôt le nucléaire, hein, c'est vraiment bientôt. Là, on y est quasi. Là, tout ce qui nous manque, c'est alimenter les foreuses. Et merde, j'étais en train de me planter l'endroit. Attendez. La ligne est là. Ça qui me bête, c'est que j'ai cru que c'était là alors que c'est là. Ah, toute façon, vous allez me dire, c'est... Enfin, toute façon, je sais que le seul endroit pour passer, il est ici. Parce qu'il y a trop d'eau sinon. Donc de là à là-bas, il faudra que je fasse un pylône de convoyeur. Pas le choix. Parce que sinon, je peux pas passer. Et le but sera de revenir par ici, mettre les caissons là. Et comme ça je serai tranquille. Par contre je vais faire un petit truc. Je pense qu'on va se prendre cette petite rampe là. Ouais, comme ça en fait on va les mettre ici les convoyeurs, enfin les containers. On va se les mettre là. En fait, il m'en faut 4 parce que j'ai 4 foreuses qui traînent. Voilà, ça c'est réglé. Donc, un là. Un ici. Un là. Et un ici. Donc le béton, on va le faire directement. On va créer une plateforme pour béton. Qu'on fera là-bas. On ramènera ça dans ce container là. Le métal, ça sera ici. Et là, ça sera le cuivre. Et celui-là, le catharium. Et pour le catharium et le béton, on va faire ça sur le même site. Comme ça, ça sera tranquille. Alors, du coup, bah, vu que je dis ça, en fait, on va carrément le faire. Par contre, il commence à nous manquer de la ressource pour faire je sais plus quoi. Attendez, je regarde vite fait. Ah, les deux raffineries. Attendez, on n'a pas que ça. Ah oui, on a beaucoup plus. C'est bien ce que je me disais. Là-bas. J'ai pas pris assez de béton. Oh, je vais même... Attendez. Là,
celle-là, on la relie là, et après on met un convoyeur, on sépare dans les deux. Donc ça, ça sera le béton, parce qu'il va m'en falloir beaucoup d'ailleurs. Mm-hmm. 3, 6, 9. Normalement, c'est ça, je crois. Attendez. 45. Et si on en va en tirer 240. Bon, on va largement saturer. Ah. De temps en temps, je sais pas ce qui se produit. Pourtant, ça tourne très bien. Le jeu tourne très bien, mais j'ai les FPS qui se cassent la gueule. Et là, je comprends pas trop pourquoi. Du coup, bon, hormis le béton qui va nous manquer, on va aller chercher. De quoi faire les transis en fait. C'est quand même plus rapide comme ça. Ça, vous voyez, on revient directement au garage. Pour ça, j'ai voulu faire ça comme ça. Puis voilà. Donc toi, tu vas rester là. J'en ai pas d'autres. Normalement, j'ai un summer sloop. Et ici, ce que je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de place. Et de temps en temps, j'aurai besoin de faire des crafts annexes. Là, on va pouvoir mettre ça. Et si nécessaire, on aura ça aussi. Donc pour les bestioles, on va le faire tout de suite. Hein. On va pas s'embêter. 16. 16. Oh la vache. On va avoir de quoi broyer, les amis. Les 47, ils vont partir dans le broyeur plus tard. Du coup, qu'est-ce qui me manquait? Il me manque 4 torts. Bon, je peux les faire. Et le béton, en fait, si j'arrive à lancer la ligne béton, c'est parfait. Si je la lance ici. Donc on va lancer. Eh, mais je suis trop bête parce que au lieu de retourner à la maison, aller chercher le béton, je vais carrément le faire ici, comme ça je la ramène directement. En fait, on est peinard. Attendez, je vais récupérer tout ce qu'il me faut là-dedans. Ça, ça, bla bla. Non, on peut plus. Très bien. Bon, on va y retourner. Et je vais activer la ligne béton. Enfin, activer le segment où est-ce qu'il y a le béton, justement, en espérant que le jus ne claque pas. Ça serait l'espérance de pouvoir y arriver. Toi, par contre, tu me craches relativement loin, mon salopard. Hein. Donc ouais, je vais aller activer la ligne béton. Je vais alimenter ici. Hein. On va pas s'embêter. De toute façon, normalement, j'ai relié aucune machine pour l'instant. J'ai juste la ligne qui est prête. La ligne électrique, bien entendu. Hein. Les autres lignes sont pas actives, il n'y a rien de fait. Je pourrais activer... Attendez, je regarde quelle énergie j'ai. Enfin, en surplus. On a quasiment 3000. Donc toi, tu peux être alimenté. Ouais, non, toi, il va falloir que je t'augmente parce que le problème, ça va être... t'es trop petit, quoi. T'es petit poussé, là. Eh oui, Poufias, tu viens de te faire découper par ma batteuse.
Ça va pas être bestiole. Je vais te pocher pendant que je bâtis. Donc du coup, toi oui, on va peut-être faire ça vite fait parce que... J'aurais pas... J'ai pas envie de faire ça dans le vent non plus. Vite, vite, vite. Et du coup... Ça j'aime pas trop bâtir ici, c'est que ça frise un petit peu. Ah, j'ai plus de béton pour construire. Ah bah vous savez quoi les deux... non attendez. Oh la vache, la saturation que ça m'a fait ici. Monstrueux. Ah bah je les ai pas reliés, c'est génial. Je vais pas faire comme je voulais. Donc lui il va être au milieu. Le béton sera... Légèrement, enfin sur le côté droit. Attendez, vous allez voir comment on va faire. Parce qu'en fait, je suis en train d'y penser, mais le catharium, lui, il va être complètement à gauche dans ce container-là. Celui-là, ça sera le métal. Viens là, toi. Fais pas ton relou. Allez, en fait, lui, il va être... Ici. Le béton. Viens là toi. Oh. Fais pas chier. Au pied, Woofy. Le béton sera là. Le cube sera ici. Et le catharium sera là. Et donc l'avantage c'est que maintenant tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, tout prendre. Voilà, ça c'est réglé. Le catharium est là-bas. On va aller s'en occuper de suite. Hein. On va pas perdre trop de temps. Là, je vois la machine. C'est parfait. Ah, c'est ici que ça va me demander tellement de machinerie, par contre. Un truc qui lui a fait peur à lui. Attends, je vois rien là. Pas grave. Du coup, bon, tout, encore et toujours le béton le problème. Hein. Mais bon, plus ça va, plus on va en avoir et plus je peux bâtir là-bas en fait. Parce que là, il va nous falloir... énormément de catharium. Et quand j'ai énormément, c'est... j'ose pas imaginer. Il va nous en falloir pour 4 ou 5 machines, je crois. On manque des trucs. Il me faut des biocarburants.
On va enlever les arbres là ici. Oh, les fonderies, on va déjà les mettre. Il me semble qu'il m'en faut 3 pour le catharium. 45. En plus, c'est quasiment des purs, donc ça devrait passer. Une là. Deux. Ouais, je peux pas la mettre l'autre. Ça, c'est là. Attendez. Il me semble que je peux pas le mettre en... Ah si. C'est là, il va me falloir le gros. Hein. Faut que je sache combien il va m'en prendre. 120. C'est pas beaucoup ça par contre. Va peut-être falloir que j'aille chercher l'électrolyte masse qu'il y a là-haut. 120, ça fait 4 et 4, 8, 9. Ouais, il m'en faut 135. Non. 135 ici, fil actif, ça nous en fait 12 par minute. Attendez, parce que là, si c'est ça. Ouais, non, c'est bon. Ça va se stocker à la fin. Par contre, tout ça parce qu'un câble, j'arrive pas à choper le poteau, quoi. Voilà. Ouais, je pensais que les arbres me gêneraient, hormis pour bâtir, mais ça se passe plutôt bien. Et c'est bon, on est bien là, on est bien. Voilà, donc on en a 3 sur 4 des ressources qui arrivent. Donc déjà fini, hein, bien entendu, pour le catharium. Regardez-moi ce qui arrive. On va se taper un stack, tranquille. Bon, on en a beaucoup qui arrivent, donc ça c'est pas mal. Donc du coup, ça c'est charbon. Je pourrais faire ça, hein. Enfin, je suis bête. Ah non, ça c'est... Attendez. Charbon compacté. Non, c'est pas charbon compacté que moi je vais prendre.
Donc ça sera lingot d'acier. Et du coup, il va me falloir le métal. Enfin, une partie du métal. Ensuite, il va nous falloir les stators, les rotors. Enfin, les stators, il me semble. Donc ici, ça sera stator. Et pour les stators, c'est... Je peux prendre ça. Des tubes plus du catharium. Là, ça m'en prend 2 pour 15, toutes les 15 secondes. Là, c'est 1. Donc ouais, on va faire ça avec ça. Donc, assembleuse à la fin, ici. Donc, il va m'en falloir 2. Hein. Une là, une là. Et il nous faudra des plaques et des tubes. Donc là, ce sera les plaques. Et à côté, ce sera les tubes. Ce qu'il va me les falloir juste après. Donc... Ah, c'est vrai, je les ai pas, ça. Ah, ça fait rien. On va se prendre les petits, hein. Ça fait longtemps que j'en avais pas refait des petits. Mais bon. Il me faut au moins un tout petit peu de réserve, quoi. Donc là, c'est les tubes en acier. Et ici, c'est les plaques. Et bah, vous savez quoi, bah, on va commencer à alimenter ici. Hein. Voilà, comme ça on a les plaques, les tubes. On va pouvoir mettre celle-là. Pour les stators. Et le catharium qui se trouve ici. Ah, une partie du catharium qui se trouve là-dedans va aller là. Merde, c'est pas le catharium ça. C'était le premier qu'il me faut. Ouais, quoique je vais le garder. Hein. Pas s'emmerder. De toute façon, il faut que je bâtisse. Alors le béton, il va me servir. Catharium, il est là. Donc pour la raffinerie, il me faut ce qu'il y a juste à côté. Alors du coup, voyons voir. Rotor et radio. Les radios, c'est ce que je n'ai pas encore vu. Donc les radios, que je regarde bien, c'est du cuivre et du catharium. On va se le mettre là. Donc on a ça et le cuivre, il faut que je le ramène. Donc métal cuivre, c'est waouh, c'est ça qui est en l'air, pourquoi? Il va nous falloir la... Ah bah tiens, ici j'ai du geyser.
J'avais zappé, on a du geyser ici. Oui. Eh, lui, il est alimenté. Voilà, ça c'est torché.
Attendez. Si je fais ça, les tuyaux, ils sont... Ah, non, 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 non. Moi, je viens de faire une boulette. Là, c'est pas ça que je dois faire. C'est les stators. Attendez, je regarde bien. Non, ici, je fais les stators. Qu'est-ce qu'il devait avec les stators? Ah, voilà, c'est les contrôles d'IA. Donc là, on va faire double. Attendez, il faut que je sache combien ça va m'en prendre ici. Parce que selon ce que ça va me bouffer, il va falloir que je compense avec les autres. Donc j'en suis à 25 tools. Et si je fais ça avec un seul, ça va me donner combien? 25. Il faudrait que je booste peut-être la machine. Je vais remonter, on va voir ça. On va aller voir ça parce que le problème c'est booster la machine. Je sais pas si je peux le faire. Là, je vais peut-être abaisser ça en fait. Parce que là, le problème c'est que c'est un peu haut et ça me m'éjecte un peu trop loin. Ok, j'ai compris. J'ai inversé tout le système. L'entrée, je l'ai mis à la sortie. La sortie, je l'ai mis du mauvais côté. Youpi! Quand même que je fasse gaffe avec mes petites pastilles anti-radiation parce que... Oh, vu comment je suis prêt de temps en temps, ça me la bouffe. Hein. Donc du coup, il faut que je vérifie avec les boosters. Je crois qu'on en a récupéré une jaune tout à l'heure, parce que sinon... Sinon, on pouvait abréger directement le circuit. Hein. J'espère que ça va m'éjecter un peu moins vite et un peu moins violemment. On va voir ça. Ouais, ça passe un peu mieux. Et là, on va vérifier ça en mettant... Est-ce que je vais être à plus de 22? Je serai à 20. Et là, ça m'en donnerait... Il m'en faut 25. 5. Je vais descendre à 4, hein, on va voir ce que ça donne. 20, bah c'est parfait. Comme ça, elle a boosté en double, en deux fois. Normalement, c'est toi. Nickel. Nickel, nickel, nickel. On va te mettre par ici. Et... non, c'est pas ça. Avec un double. Et du coup... Je vais regarder quand même où est-ce qu'on en est en termes de jus parce que depuis tout à l'heure je branche. Et à l'occurrence on est toujours large, hein. On a toujours 1000 d'écart. Bientôt on aura plus encore. Hein.
Donc, que je vérifie, ici, on a les stators, ici, on a les boîtiers. Du coup, normalement, c'est encore une assembleuse qu'il faut derrière. Attendez, que je la mette bien là. Et là, c'est tige de contrôle. Donc après les tiges de contrôle, je sais pas ce qui y va. Je crois que c'est... non, la, celle-là, c'est bon. Je crois que c'est la façonneuse qu'il va nous falloir juste après, et la mélangeuse aussi. Donc la raffinerie, ça va se trouver là-haut par contre. Ça va se trouver là-haut et on va le faire descendre par pipe. Par contre, il me faut ça et quoi d'autre pour. Il me faut deux ressources pour faire la raf, mais je me souviens plus quoi et quoi. On va aller voir ça. Enfin, j'aurais pu prendre le tuyau pour remonter direct, mais bon. Il va me falloir des tiges. Oh, ça, je les ai pas par contre. Ah, les tiges, je vais aller les chercher. Donc, ouais, le but c'est que je remonte là, en face. Allez, on va en profiter pour aller chercher les boîtiers d'aluminium par contre aussi. Donc, dans les foreuses, qu'on regarde tout ça. Alors, le mélangeuse, on en a besoin, l'assembleuse aussi. Enfin, non, l'assembleuse, c'est bon. Foreuse MK2, on en a besoin assez d'une. On en a encore besoin d'une. Donc, ça, c'est bon. Fonderie avancée, il n'y en a pas. Ouais, on va laisser ça comme ça pour l'instant. On verra bien si on en a besoin d'une autre. Donc ouais, là on se fait un petit retour maison, se chercher ce qui nous manque, et puis on revient là. Et normalement en fait là c'est bien parce que le conduit qui est là va pas me gêner pour faire mon petit retour tranquille. Par contre j'ai juste à le suivre aussi. Ah non, il est là mon arbre. Donc par la suite, faudra que je... Si la plateforme du bas, vous la trouvez vide, c'est normal. Hein. C'est que là, c'est qu'une seule ligne de prod, c'est pour deux usines. Enfin, deux réacteurs nucléaires à la base. Hein. Que je te dise bien. Mais par la suite, il faudra que je double encore mes prods
pour pouvoir rajouter dessus. Il n'y a pas tous nos bons déchets nucléaires, vous savez ce qu'on va en faire. Hein. On va aller les détruire, ça va nous rapporter beaucoup d'oseille. Ça sera génial. Bon, bon. Ce qui est con, c'est qu'on n'aura pas fini de le nucléaire aujourd'hui. Parce que là, il nous manque encore les RAF à poser. Une fosse pour extraire le... le soufre. D'ailleurs, vu que j'ai une usine d'acide citrique là-haut, je vais aller voir ce qu'il me fallait pour le faire. Ça ira tout seul comme ça. Donc j'ai deux trucs à faire. Récupérer les tiges, récupérer les boîtiers d'aluminium. Alors, les fourreaux, c'est pas besoin parce que je peux les faire moi-même directement là-bas. Déjà, on va aller chercher les tiges pour commencer si le train ne me bloque pas. Voilà, nickel. Alors non, les tiges sont ici. Voilà, non, ça on va le redéposer. Donc là, ça c'est bon. Allez, hop. Alors, on n'a même pas besoin d'en reprendre à nouveau. Ah non, ça c'est les câbles mode. Donc ouais, on peut regarder ici, qu'est-ce qu'il va nous falloir? C'est béton, soufre, uranium. Donc béton, soufre, uranium. Et normalement j'ai du soufre là-haut que je fais. Parce qu'il m'en fallait pour justement faire les batteries, donc on va profiter. On va voir ce qu'il me faut. Normalement c'est de la flotte si je dis pas de bêtises. Ah là, c'est du soufre et de l'eau pour en faire. Bon, oh, bah c'est bon. Donc il va me falloir aussi... Attendez, vu que c'est ça, je vais faire une citerne en plus, comme ça je l'aurai sous le nez. Ouais, j'ai les cuves pour faire les pipes, c'est bon. Alors, je sais pas si j'en ai assez, mais j'espère quoi. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Donc ouais, je peux partir en buggy, mais dans le véhicule là, j'ai quand même les plaques hein, qu'il me faut pour ramener. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il n'y a que la conduite d'eau que je vais faire descendre en bas. Et encore, je peux même tirer. Ouais, non, je vais même pas... Oh, j'en ai pensé seulement maintenant, mais je vais pas partir tout de suite, attendez. Ça, on va le rajouter. Ce qui me fait qu'il me faut des rotors en plus. Bah oui, parce qu'en fait, je suis un petit peu bête, il y a un truc que j'ai pas pensé. Il me faut aussi des câbles là d'ailleurs. Un truc que j'ai pas pensé, c'est que vu que je suis quasiment au niveau de la flotte, je peux limite prendre deux caissons, deux barils, et faire ce que j'ai à faire avec. Mais j'ai pas pensé à ça. Donc on va carrément tirer. En fait, j'aurais même pas besoin de faire ce que je voulais faire.
Ce qui est, c'est-à-dire que je m'explique clairement. Vous avez vu, on avait des pipes qui étaient tout en haut. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'en servir de ces pipelines là. Et vu qu'en bas, je sais que c'est assez profond parce que je sais que je nage tout le temps. Et c'est aussi c'est ce qui est chiant. Mais en fait, je vais créer une plateforme dessus, sur cette zone-là justement pour, enfin pas une plateforme, mais on va créer carrément. Enfin, je vais créer une plateforme, oui, pour être un peu moins emmerdé, avoir plus d'espace pour construire. Mais d'un autre côté, j'ai laissé un point d'eau. Et ce point d'eau là, je vais mettre la pompe dessus. Comme ça, on sera peinard en fait. Et avec cette pompe là, ben, on pourra, comment dire, extraire la flotte tout sur place en fait, tout en bas. Donc là, on va se mettre bien. Comme ça, on aura l'acide en bas, on aura la raf en bas. Par la suite, je vais doubler tout le truc. Hein. On va doubler tout ça. Toute la machinerie sera doublée histoire d'avoir une bonne production pour le nucléaire. Et les déchets, par la suite, dès que j'aurai le dernier jalon, le jalon 8. Bon, on pourra détruire littéralement tout le nucléaire. Et on sera super bien. Après, il faut aussi que je passe le dernier jalon orbital, mais là, ça va attendre. Je vous cache pas que ça va attendre un petit moment. Ouais. Ça va falloir que je retire ces saloperies là, elles me gênent. Normalement avec ce véhicule là, je suis censé pouvoir les récup, enfin les détruire littéralement au passage, mais là ça le fait pas. Un petit peu déroutant et un petit peu bizarre. Ah, chargement. On est allé un peu vite. Bon, ça va, on crame pas beaucoup d'essence pour venir jusque là, encore heureux. Hein. Donc du coup là, j'aurais pas besoin d'utiliser le pipe parce que on va pas aller jusqu'au bout. Regardez, on a déjà les radiations ici. On a beaucoup. Mais il faut que je les fasse descendre après. Ou pas. Ça dépendra. Ça c'est le problème, c'est que je vais devoir utiliser ces plaques, je pense.
Ouais, c'est seulement là que je peux les mettre, ok. Ouais, ça, ça. Non, si je saute de là, je suis mort. Par contre, il me semble que si je saute ici. Ouais, j'étais presque mort aussi. Cela dit, ça s'est passé presque comme il fallait. Donc, du coup, on va poser tout de suite cette machinerie là. Normalement, je dois avoir de la flotte là, quelque part qui traîne. Allez, hop là, ici, il y a de l'eau. Juste que je chope. Normalement, j'avais vu un point qui était bien vert. Ah, là. Et vous savez quoi? Je vais retirer un petit peu de matière là. Ou attendez, je suis en train de détruire là alors que clairement j'ai pas besoin. Ok, ça c'est bon. Donc le prochain réservoir il va être ici. Est-ce que ça se remplit déjà ça ou pas? Parce que là elle est alimentée là-bas. Au revoir. Ah ça se remplit. Ok, donc le soufre on va pouvoir le mettre maintenant quasiment dans la machine. Ici.
Je vais faire ça un petit truc pour pas éviter. Pour éviter qu'on aille de la perte, hein, par contre. Parce que si on commence déjà les prods, autant avoir ce qu'il faut dans en réserve, dans le caisson, quoi. Et du coup, normalement, le dernier truc qu'il nous faut, c'est la mélangeuse. Ça, c'est notre dernier stade, normalement. Donc, cellule d'uranium, B, acide sulfurique. Ah non, mais attendez, c'est l'avant-dernier, ça. Attendez. Je suis en train d'y réfléchir, mais est-ce que c'est le dernier ou... Non, mais toi, tu te tais parce que tu m'agaces. Il va nous falloir... Non, ça, c'est bon. C'est la façonneuse qui me manque. Ok, là on va bien la placer. Semblait que j'avais oublié un truc, mais oui. Clairement, j'ai oublié un truc. Donc toi, tu dois être ça. Donc il nous faut de l'uranium qui se trouve là où il faut que je le fasse descendre ici. Le béton, l'acide sulfurique. Et après, la ressource, elle remonte tout en haut. Et la ressource, elle va monter par ici. Par contre, ouais, il me faut la sembleuse là. J'ai complètement zappé de la prendre celle-là. J'avais dit en plus qu'il fallait que je prenne des câbles. Si je dis pas de bêtises. Donc là, il me faut le béton qui est là-bas. Toi, c'est les tiges que ça va me sortir. Donc ça c'est bon, ça sortira ici. Donc, en fait j'ai un problème, c'est que ça doit me servir. Ah oui non, je sais à quoi ça me servir. Sauf que c'est pas ici que ça se prod. C'est vrai que j'ai pas la façonneuse. Parce que là il me reste quoi dans la liste des tâches? La raffinerie j'en ai plus besoin. Fonderie avancée j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai même pas besoin à l'heure actuelle ici, parce que là, il me faut du béton et de l'uranium. Donc le béton, on va le faire passer ici. Ah non, attendez. Je vais faire autrement pour le béton. On va le faire passer au-dessus des machines, en fait. Allez. Voilà. Uranium béton.
Toi, tu vas venir là. Et ça, j'en ai pas besoin parce que l'uranium, je vais devoir le faire descendre de tout là-haut. Donc là, ça c'est bon. Ici, il n'y a rien. Il va me falloir des limaces. 6 et 3, 9. Là, ça emprunte 45. Ok, elle est là-haut. Ah, génial ça. Il y en a une là. On va aller chercher celle-là. Ça peut être compliqué. Parfait, deux jaunes, une verte, ça nous en fait déjà 5. Allez là.
Ça en fait combien là déjà? 8, 10, ça en fait 14. Voilà, j'en trouve une violette. Y'a un semeur dans le coin ou quoi? Bon, on va s'arrêter là pour l'instant, on a assez de limaces. Du coup, on va pouvoir surbooster la fonderie. On a 13 éclateurs, c'est parfait. Donc là, il m'en faut 90. 67. 90, nickel. Ah non, si c'est 3. Ouais, non, c'est 90, ouais, je suis con. Ça peut pas être autrement. On va aller. Je vais retourner là-haut. On va alimenter l'extraction. Parce que y a une extraction qui ne marche pas pour le moment. Il va aussi falloir que je ramène l'uranium en bas maintenant. L'uranium devra repasser par ici. Hein. Merde, j'ai pas d'électricité ici. J'ai ramené un poteau. On va se mettre un petit poteau là. Je suis pas de tomber comme un con. Et le poteau, après, on va le modifier de place. J'ai dû laisser du béton quelque part parce que c'est pas possible, j'en ai quasiment plus là. D'ailleurs, je pouvais construire plusieurs choses à la fois, mais là, je peux plus faire qu'un seul truc à la fois. Ah oui, ça.
Attendez, ça me recrache rien d'autre. 2 mètres cubes de sulfure. Donc faut que je renvoie la sulfure là-bas. Ah oui, ça je l'ai pas encore alimenté, je crois. Mais j'ai pas encore. Oh non, mais c'est ça que j'ai pas. Je voulais faire. Je n'ai pas encore fait. On va retourner là-haut. Par contre, il me reste 52 pastilles. J'en avais 55 au début. Bon, ça va, hein. Ça m'en bouffe pas trop. Seulement plus je vais me rapprocher de la radiation, plus ça va pomper. Béton, il m'en faut un. Bah toi tu vas venir avec moi. Pas le choix. Et si je vais retravailler ça parce que là, c'est casse-gueule. Bon, plus de câble. Attendez, je peux vérifier un truc. Parce que là, il me faut juste des câbles en fait. Non, mais je suis bête. Je peux les faire parce que j'ai le cuivre en plus. Putain, nom de Dieu, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là qu'il me faut. Hey, regardez, j'ai tout ça, putain, pourquoi j'y ai pas pensé encore depuis le début, je suis... putain, il me manque des câbles. Si seulement j'avais pensé, regardez, je peux même en faire 600 putain de câbles. Est-ce que je pense pas à tout, ça c'est clair, hein. Parce que là, regardez, d'une, je peux poser cette machine de monstre qu'il me fallait. Voilà. Et de là, il va me falloir des poutres de béton armé. Des tiges. Donc les tiges, normalement, elles sont là. Il va me falloir du béton. Mais en fait, j'ai tout à portée de main. C'est ça le gros délire, c'est que j'ai tout à portée de main.
Il me faut du béton. Pas de soucis, j'ai du béton. Il me faut des tiges. Pas de soucis, je peux prendre le métal pour faire des tiges. Sauf que j'ai pas pensé à ça depuis le début. Donc, les tiges, c'est ramené. Le béton, les cellules d'uranium, elles sont ici. Enfin, elles vont arriver là. Quand elles arriveront là, ça sera une bonne nouvelle. Les poutres de béton production, normalement, c'est ça. Avec des plaques. Bah, cette prod là, toi, tu vas venir là. Oh, il me faut des câbles. Ah, il me faut des câbles. Il n'y a pas de problème. On va se faire plein de câbles. Je comprends pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Parce que là, je peux tellement en faire. D'ailleurs, il faudra que je... J'équilibre maintenant toutes les zones, toutes les doses du moins. Allez, on en a 100, ça devrait aller. Il va me falloir la façonneuse, on va se la mettre là. Ça. Normalement, les tiges, elles sont... ici. Enfin les pièces qu'il me faut, elles sont là. On va te mettre là. Je suis pas validé. Ah, clairement, tu viens pas jusque là, toi. Enfin, non, même pas, c'est un 4 que je devrais mettre là. J'ai que deux machines alimentées. Ok. Celle-là, c'était les poutres de béton. Et vu que ça, j'en ai pas besoin. Vous savez quoi? On va toutes les mettre là-dedans. Voilà. Donc là, toi, il m'en faut combien? 1,5, ça c'est bon. 2 tiges par minute. Elles sont ici, là ça m'en fait 4 par minute, donc là ça c'est bon. 25. Et là il m'en faut 20. Je peux la booster en fait. Donc là ça m'en ferait une, il m'en faudrait 50. 3 et 2. Donc 2 tiges. Non attendez. Je regarde, je compte. Là, il me faudrait 5 tiges. Donc, si je fais ça, je peux aller à 5. Là, ça me fait 7 et 5.
Donc ici il faudrait que ça soit bah, 8. Et là il m'en faudrait 5. Ok, donc celle-là il faut que j'en rajoute une. Voilà. Donc là, il m'en fallait combien? 25? 20? 30? C'est bon? Donc là, il m'en faut 30, j'en produis 5. Attendez, celui-là, c'était pourquoi là? Le béton. Là, toi t'en produis 6. Voilà, il m'en faut 3. Les 50 cellules, j'en produis 25. 37. 50. Et il nous faut de la solution d'acide. Il y a toujours un truc que j'ai complètement zappé. C'est pour ça que ça n'arrive pas. C'est que j'ai pas encore alimenté là-haut. Youpi, ma tête! Ah bah non, j'en ai 80. Bon, on va carrément y aller. Au pire, je suis à la restant là-haut. Donc là, on a bien l'uranium qui arrive, mais on n'a pas encore le soufre. Et là. Si je fais ça à ça, on devrait avoir le soufre qui va sortir. Merde, il est impur. Ah non, il est normal. Du coup, moi, je vais peut-être faire ça. Normalement, j'ai assez de range pour y aller. Nickel. Non, il m'en faut 50. Ouais, on en sort 3 fois plus en fait. Donc là, il m'en faut 50. Toi, t'en as besoin de combien? 80? ?75? 100. Parfait. Et là, on en a besoin de 100. On en tire 120 de là-haut. C'est parfait en fait. On a le bon quota. On va attendre que ça se remplisse tranquillou. Donc de là tout est bon. Si je regarde bien tout est bon. Par contre celle-là, il m'en faut 24 plaques minutes. Ça je vais pas regarder. J'en suis à 15. 22. Ici je vais devoir booster encore. Hein. 22. On va ah non je peux plus reposer. Ah aïe, le bordel. Bon, on va rester à 22. Hein. Ça devrait être suffisant, sachant qu'on a une réserve de 100. Je pourrais toujours en ramener. Mais de là,
La dernière connexion à faire, c'est celle-là. Donc on a une barre par minute. On va attendre un petit peu que d'en avoir un petit peu ici. Puis après on les renvoie là-haut. Et l'énergie nucléaire débute. Tout simplement. Après on aura les déchets nucléaires, mais ça on a déjà de quoi les stocker. Non, ça on va être bien là. Il me reste encore, attendez, à faire le circuit de retour. Donc ici, on va prendre là. Est-ce que je peux aller jusqu'en haut? Ça m'étonne rien. Ah, je peux pas aller plus haut, donc on va choper l'hypertube. Puis ça devrait être bon. Voilà, t'es ici. Et après on les distribuera un peu partout. Enfin non, même pas, attendez, je crois que j'ai pas relié en bas. Ouais non, c'est bon, c'est pas relié. Ah bah ici je peux relier. Voilà tout. Donc normalement ici il y a de l'eau, mais il n'y a pas le carburant. Et ça c'est partout, c'est partout pareil. Là ça c'est bon. On va redescendre voir si on a une petite réserve ou pas. Donc voilà, l'âge nucléaire, on y est les amis. Dans très peu de temps, on connecte les machines et on est à l'ère nucléaire sur Satisfactory. Le seul truc qu'il nous faut, c'est de la réserve ici. Pour ça, on va attendre un tout petit peu. Ah.
Ah ah ah, c'est quoi qui nous manque? Pourquoi ça ne travaille plus là? Donc on en prend 20, 80 et on en rejette 20. Donc en gros je pourrais abaisser la machine, attendez, on en est là. Je peux la baisser hein, à 75, 5 de moins, parce que là on va en produire 20 à chaque fois qu'on va redistribuer dans la machine et normalement on devrait pas saturer. Donc toutes les 6 secondes on a une cellule, enfin 5 cellules qui partent. C'est 5? Non, sérieux? Attendez. Ah ouais, 5 cellules. 5 cellules qui partent, qui se retrouvent ici, qui se font faire, qui vont aller se faire stocker là. Et c'est en permanence. Donc là, on est bien. Normalement, je peux alimenter 3 centrales comme ça. Donc les 3 barres qu'il y a là, c'est pour 3 centrales. En gros. Plutôt génial, hein? Donc pour le moment on va attendre, on va en stocker. Et une fois que ça sera bon, bah on pourra tout ouvrir. Donc après je vais rediriger, je sais pas si je vais rediriger tout dans les caissons. Mais il faudra que je vérifie ça. Parce qu'on va avoir les déchets nucléaires qu'on va devoir garder pour la suite, pour les détruire plus tard. Et ça va être un petit peu coûteux hein. Tiens, on a déjà les 100 pour la suite. Hop, c'est nickel. Ça, j'adore. Donc, on en a 4. Dès que j'en ai une petite, 20, une petite dizaine, on met le circuit en route. Mais en soi, ça, les centrales nucléaires ne devraient pas s'arrêter. Et l'import énergétique va être monstrueux. Je crois que c'est 2000 par centrale. 2000 ou 5000, je sais même plus. Non, attendez, 2 centrales, c'est 5000, je crois. Ouais, c'est 2500. T'as regardé 85. Je regarde quand même ici parce que ça m'inquiète un petit peu. J'aimerais pas que ça sature ou que ça bourre. 90. Donc ça arrive à 100 avant que ça soit fini, ça. Voilà, il n'y a aucune interruption quasiment. Ça, c'est génial. Et de là, on en a 5. Je vais regarder où est-ce qu'on en est en termes énergétiques et je peux vous garantir la différence va être visible. Donc là, on est à 4800. On consomme 4300. Faut que j'alimente. On est à 4800. Normalement c'est bon hein, là où ça se prod. Mais est-ce que je me suis gouré dans la production ou pas? Je crois que j'ai fait une connerie. Je suis pas sûr. Mais ce qui est con, c'est que je vois pas le logo. Et hors tension, pas de carburant. Ah oui, pas de carburant parce qu'on est en hors tension. Bah. Ah non? Sortie. Hors tension. Insérer le carburant. Bah c'est quoi qui doit aller dedans déjà? Parce que là ils me disent il n'y a pas de tension. Là le logo je vois même pas ici, montrez-moi le logo au moins. Parce que normalement c'est ça, c'est à des barres.
consomme des barres de combustible nucléaire pour produire de l'électricité. Consomme des barres de combustible nucléaire. Bah, c'est ça? Barre de combustible. Bah voilà, carburant brûlant. Ah oui. Attendez. Petit souci. Le souci, c'est qu'il y a quand même de l'uranium qui s'est posé sur le circuit. Et normalement, celui-là, il devrait aller se faire bouffer tout de suite, regardez. Ça regarde bien. Voilà, une barre au repos, pas hors tension. Ah, elle est pas alimentée. Carburant. Plus de 1000. Donc toi tu vas aller là. Deux ici. Ça ici. Et moi je vais vite aller là-bas pour aller déposer mon uranium parce que... Merde, ça sature. Faut que j'arrive à le jeter, à le déposer ça. Alors, bah on est à 12 300 mégawatts. Comment vous dire que je suis satisfait? On est à l'ère du nucléaire, c'est enfin bon. Donc je pourrais encore poser une quatrième centrale ici. Hein. On aura largement de quoi faire. Alors on a une barre en réserve ici. Ici on a trois barres. Et si on a deux barres, bah voilà, je pense qu'on est bien. Et ça porte 2500 mégawatts. Et ça prend 30 secondes à bouffer une barre. Enfin, 300 secondes à bouffer une barre. Ce qui est plus qu'excellent, hein, j'ai envie de vous dire, parce que pour ce quota-là, on est bien. Par contre, là, ça vient de baisser un petit peu. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est celle-là. Ça, c'est pour une bonne raison. Hein. Voilà, voilà, voilà. Il faut que j'en pose, je pose la plus grosse, mais là pour le moment je peux pas, j'ai pas. Il nous faut quoi pour poser la plus grosse? Quatre tiges. On va aller les chercher en bas. Quatre poules de béton armé, on peut les avoir. Hein. On va les prendre en bas, ça sera nickel comme ça. Bon, bah, je sais pas ce que vous en dites, mais là, on a tout le circuit nucléaire de fait, hormis le circuit de destruction nucléaire qui n'est pas encore là, parce que malheureusement, je n'ai pas encore
les ressources. Néanmoins, bientôt on pourra. Hein. Donc là, si on fait ça, ici, ça devrait être bombé sur celle-là. Parce que celle-là, là, c'est elle qui a du mal. Hein. Par contre, il y a un souci. Je devrais avoir plus d'eau qui arrive parce que là-haut, à moins que les citernes ne se remplissent pas. Attendez, je vais aller voir ça. J'ai un problème avec l'eau. Allez, on va finir ça vite fait. Elle a du mal, hein. Elle a beaucoup, beaucoup de mal. Il faut du 240, toi c'est du 300 normalement. Ça se remplit mieux déjà. Donc là, le problème, c'est que ça fait 3 et 3, 6. Déjà, lui, il en prend 300. Là et là, ça en prend 300. Il me faudrait une dérive pour aller jusque là-bas. Même que je prenne ici pour tirer là. Mais je vais faire autrement.
Et c'est bon. Je comprends pas parce que ça fait 2 et 2, 4, 400 mètres cubes d'eau. Ça fait 480 mètres cubes. J'en ai 600 qui arrivent. Et j'arrive même pas à compenser. Ça, ça veut dire un point, un petit truc qui est un petit peu agaçant. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Il faudra que je monte une colonne. Ou sinon que je fasse une pente plus, beaucoup plus douce. Je pense que j'ai à chercher un petit pot de béton et on va aller régler ce problème. J'ai pas de choix en fait. Et ça me gave un petit peu. Parce que pourtant j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Ah si ça sature là. On va prendre 500 ici. Hein. De toute façon je vais les remettre après alors. Il n'y a aucun problème. Et le but c'est que je fasse une belle pente, bien douce, pour que l'eau s'écoule bien. Et peut-être que je mette, à la place de ça, une vanne à la fin. Donc attendez. De toute façon, hein, je peux me permettre de le faire. On a bien assez d'électricité pour l'instant pour compenser le tout. Toi tu te retires. Pourquoi celui-là? On va se le connecter là. Et... encore que j'avais assez de... comment dire? De système anti-radiation hein, sur moi parce que sinon ça serait le bazar. Je pourrais pas travailler tranquille ici. Faut qu'on attende un petit peu de voir ce que, si ça se stabilise ou pas. Ça c'est le problème hein, avec l'uranium, c'est que les stabilisations sont assez difficiles à se faire. Tout ça parce que normalement on a assez d'eau, hein. C'est ça le pire. Mais je pense que je vais faire des dérives. Parce que là, si je retire ça... ici, on va modifier ça.
Voilà, la déviation, elle marche. C'est juste ça qu'il fallait, une déviation. Ouh. Donc il me faut 240. Donc je vois là-haut qu'est-ce que je tire, combien on en prend. Ça devrait aller. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est 240. Hein. 120, ça fait 240 pour 2. 240. On n'en a pas assez. Problème, problème. Un, deux, trois. Non, je peux pas faire ça comme ça. Je vais revoir tout ça. Donc ça, c'est bon. Ça, on le retire. On va le mettre là plutôt. Il m'en faudrait une de plus en fait. De 5, il faut que je passe à 6. Ou il faudra qu'elle se vide. Pas se vide hein, ici. Ça se vide bien d'ailleurs. Là ça bouge pas, là ça... Ça se remplit. Et ça se vide et ça se remplit, ça se vide. Mais en fait, il y a deux circuits aussi dessus, donc ça passe. Là, ça fait que de se vider. Ouais, tant que ces deux-là, elles arrivent à rester au moins pleines, je suis plutôt tranquille et serein. Mais je pense qu'on reviendra régulièrement ici. Hein. Ouais, ben on est stable, voilà. On est ici, on est stable. J'ai plus rien à faire, hein, les amis. On est à l'âge du nucléaire, c'est bon. Donc on est à 12 300 mégawatts. Ça veut dire que là j'ai 9 barres ici. Ici, on en a combien? On a 3 barres. Et là, 4 barres. Ben, en fait, on est bien, on a de la... On a de la marge. Donc on va pouvoir repartir. Donc le nucléaire est bon. Par contre, il va falloir que je tape le chaland qu'on voit ici, là, franchissez le palier, franchissement de particules, enfin enrichissement de particules, oh là là, il est temps qu'on s'arrête, j'arrive plus à lire. Donc enrichissement de particules, on va se le faire. Donc il nous faut des turbos, les turbos, je vais peut-être les acheter au final. Hein. Les cadres modulaires fusionnés, on devrait les avoir. Pour ce qui est à côté, je sais, je me souviens plus du nom, mais on pourra se les faire. Et dès qu'on passe ce jalon là, ça veut dire qu'on peut faire la prod de destruction du nucléaire. Par les, je crois que c'est du plutonium, si je dis pas de bêtises. Les barres de plutonium, on peut les détruire. Et on va en profiter, on va se faire, tout simplement. C'est par là. Je suis pas envie de me gourer. Ah tiens, on vient de faire des pop l'arbre.
On en a fait des pop 1. Tiens, le deuxième aussi. Normalement, c'est par là que je devrais passer. Bon bah les amis, de toute façon on va s'arrêter là, on va rentrer tranquillement. Donc prochaine étape, parce que là l'énergie, vous avez vu, on l'a. Et on l'a comme il faut, on a 12 000 mégawatts. Prochaine étape, c'est monter les usines annexes. Oui, on va monter les usines annexes. Donc la prochaine, c'est le cuivre. Donc le trajet du train va être relativement court, hein, relativement proche de l'usine principale. Mais il n'y aura plus autant de pipelines, de convoyeurs qui vont traîner partout. Le train va aussi devoir me charger tout ce qui est barre d'acier, enfin plaque d'acier, tube d'acier. Donc en fait, je vais faire un train géant pour me transporter toutes les ressources qui sont pas dans la base. Et à l'intérieur, en fait, je vais juste mettre des assembleurs, des mélangeuses, des façonneuses. C'est tout ce qui devra rester dans la base, dans l'usine, c'est tout ce qu'on aura, et tout le reste on va le prendre à l'extérieur. Donc plaques, tiges, clous et ainsi de suite. Je ne veux plus rien à l'intérieur, je veux juste que ce soit ces produits là qui arrivent par les trains, mais je ne veux pas que je fasse ces prods là à l'intérieur. Je veux qu'elles soient à l'extérieur. Après, les trains, ils iront se balader, me récupérer mes ressources. Ça fera des circuits courts. Comme ça. En fait, le truc qui fait chuter mes FPS, c'est quand je m'approche et qu'il y a trop de ressources qui se baladent sur les rails. Quand je dis sur les rails, là, vous voyez, on se rapproche. Il y a tellement de ressources sur les tapis que ça me fait laguer. Donc, ce qu'on va faire, c'est pour éviter ces problèmes-là, je vais utiliser le train. Et tout simplement, ce qui va se produire, c'est que le train va juste m'amener la ressource, les décharger par les tapis, et il y aura après les assembleuses, les assembleuses, les façonneuses et les mélangeuses qui travailleront ici. C'est tout. Le reste, je ne veux rien de plus. Après, on aura l'énergie nucléaire, enfin les... mais comment elle s'appelle celle-là? J'adore la gueule qu'elles ont, mais je me souviens jamais du nom. Enfin, celle-là, ça fait longtemps aussi que je ne les ai pas construites. Mais elles sont à l'étape d'enrichissement de particules. Donc du coup, attendez, je suis en train de me gourer de chemin. Parce que là, j'ai envie d'aller voir les cadres modulaires fusionnés. Savoir si j'en ai assez. En tout cas, est-ce qu'on a assez d'énergie maintenant avec 12 000 mégawatts? Large. On est large. Donc ouais, ça c'est des cadres modulaires fusionnés, c'est bien ça. Je me suis pas couru dans le nom, c'est cool. Il m'en reste 50 ici à faire, donc c'est 1,5 pour 1,5. Et il nous faut de l'azote. Qu'est-ce qui se passe avec l'azote? Les batteries. C'est ça le problème avec la flotte, hein. C'est chiant.
Décollez, mes petits, décollez. Parce que là, il me faut de l'azote, hein. Là, j'ai tout ça, mais il n'y a pas d'azote dedans. Hein. Ah, le problème, c'est vraiment parce que c'est là. En fait, c'est toujours les retours de flotte et compagnie qui m'énervent. Salut, sinon. Ouais, ça devrait aller pour un temps. Avant, j'avais pas de pénurie d'eau. Je sais plus comment je faisais, mais j'avais aucune pénurie de flotte. Allez, sinon. Oh, du coup, ça devrait être mieux maintenant. Les drones devraient voler, ça sera plus la merde. Faut juste que maintenant ça arrive à blinder là-bas. Donc, on va faire un truc. Parce que là, il y en a beaucoup trop. Et lui, il en a plus besoin parce qu'il vole quasiment pas. On va prendre ça, on va attendre, on va reprendre les autres et puis on va tout rebalancer dans le système. Et logiquement, ça devrait mieux se passer. Et donc, on distribue. Voilà, c'est mieux. Moi, là, il y en a qui arrivent chez les drones, quoi. Je préfère que ça arrive dans le premier, deuxième, troisième drone que dans le dernier coin là-bas. T'en as combien toi? 97. 43. 49. Moi ça me va. Et lui, il va bientôt récupérer de l'azote. Il va me rembarquer ça. Et puis moi, je serai tranquille. Seulement, la flotte, c'est ça le problème, quoi. C'est toujours l'eau le problème parce que. Bah, on la remplit là, on la remplit ici. Bon, là, ça va, ça se remplit un peu moins, mais bon. J'aurais pas la vanne ici. Celle qui se trouve juste là. Avec un bloqueur, on serait mal barré. Là, on a 73 mètres cubes seulement. Parfait. Sachant qu'on en récupère 30 à chaque fois, tiens, hop, là, ça se fait gober, mais ça revient automatiquement à près de 300 à peu près. Puis ça se refait gober, puis ça se repart, puis ça se refait gober, et c'est un cycle continu, ce bordel. C'est génial. Donc ouais, voilà, on est bien. Et là, si on regarde le poteau, ben ça bouge pas des 12 000. C'est parfait. C'est tout ce que je voulais en fait, c'était exactement ça. Parce que ça, c'était franchement le plus gros point noir que j'avais. Tiens, les bibines se font remplir. Allez, blap, 4 mètres cubes seconde. Ben, c'est encore 10 bouteilles. Ça fait 40 mètres cubes supplémentaires et là-bas, normalement, elle devrait pas tirer la gueule la machine. Hein. Elle devrait être contente d'avoir du jus, enfin. Enfin bon, pour aujourd'hui, les amis, on s'arrête là. On a bien bossé. On a enfin le nucléaire. Prochain coup, on monte les usines annexes. Et puis, je pense que ça sera parfait. D'ailleurs, je vais faire un petit truc parce que là, j'ai du cadre modulaire lourd. Et il me sert à rien, il me sert que ici, hein, dans cette usine là. Donc on va en profiter. On va attendre que ça se remplisse tranquillou parce que là, vous voyez, ça se remplit goutte par goutte. Mais ça, c'est parce que cette putain de prod s'est arrêtée à cause de l'eau. Et ouais, plus d'eau, plus de batterie, plus de batterie, plus de drone, plus d'azote, plus de bauxite, plus rien en fait. Parce que là, ces drones là, c'est essentiellement cette ligne là. Mais aussi celle-là, quoi. Si ça s'arrête, regardez, les tapis sont désespérément vides. Il n'y a plus rien dessus. Pour une raison, on a tout. Sauf qu'on n'a plus de bauxite. On n'a plus de bauxite, on n'a plus d'azote. Regardez. On avait plus de bauxite.
D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que c'est du T4 tout ça? Enfin, du T5. Ouais. Ouais, bah c'est désespérément vite, vous voyez. J'allais voir en dessous parce que ça me paraît pas être du T5. Ah si, c'est du T5 justement. Ah oui, mais ça c'est pas en deux, donc c'est pour ça. Ah, vous voyez le délire? Et si ça me fait ça, je crois savoir quel est le problème. Parce que normalement ça devrait aller à fond. Non, là c'est bon. Ça, bah tout en fait est en T5, donc c'est bon. Vous voyez, la bauxite vient de se faire souffler. Ça vient de se faire gober comme pas possible. Tout ça parce qu'on n'a aucune réserve. Voilà. Alors, l'avantage, c'est qu'elle avait nous prod, hein, ça c'est clair. Il y aura pas de problème à prod. Hein. Sauf que ça est tellement vide qu'on verra, on le verra pas passer. Bon, prochain coup les amis, on monte. L'usine là-bas, elle est construite mais pas alimentée. On monte la prochaine usine, on ramène le train dessus. On construit l'autre, on ramène le train dessus. On construit l'autre, on ramène le train dessus et ainsi de suite. Et après, le circuit va se compléter. Donc on va le terminer. Normalement, je crois que c'est par ici, il y a l'usine de béton. Donc on va la terminer par là et puis le train reviendra par là et ainsi de suite. Il fera une petite boucle. Vous voyez, ça sera rien de très compliqué. On le fera ensemble, tranquillement. Sur ce, moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir suivi le live avec moi. Enfin, c'est plutôt l'épisode avec moi. L'épisode du jour, hein, sur Satisfactory. Je sais qu'on n'en fait pas beaucoup, mais vous voyez, on avance relativement bien à chaque fois qu'on en fait. Enfin, là, logique. En plus, j'ai un petit peu touché, un tout petit peu touché au nucléaire. J'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai juste posé les centrales. Le reste, on l'a fait ensemble pour tout le côté production. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, sinon on va y rester pendant des heures. Hein. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde. Merci d'avoir suivi le live. À la prochaine. Oh,